Et bonjour les gens, c'est Mister Nose et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode, sans doute l'épisode 12 de mémoire de Marvel Puzzle Quest. Et ouais, ça faisait un moment qu'on n'avait pas joué ensemble. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va aller casser la gueule à Galactus, le mangeur de planètes, même si on ne possède ni le surfeur d'argent, ni les 4 fantastiques. Alors, comment ça se passe? Bah, comme d'habitude, c'est juste que je vais vous montrer un petit truc, c'est que mes personnages, ils ont évolué, j'en ai des nouveaux, etc. Je peux en entraîner. Alors, j'ai bouffé tous mes cristaux, hein. Tous mes cristaux pour faire évoluer mes personnages. Et j'en ai encore qui vont me coûter très très cher. Je vous montre ça. Le Punisher est monté level 166, level maximum, pour le moment, jusqu'à ce qu'on puisse le promouvoir. Parce que maintenant, c'est un petit truc de nouveau, vous allez voir. Je peux promouvoir le Punisher et les autres personnages une fois qu'ils ont atteint leur niveau maximum afin qu'ils puissent avoir augmenté de niveau à nouveau. Ouais, on fait des rimes en haut. Alors, donc si là je le promue, ouais c'est ça qu'on dit, et ben je vais sans doute pouvoir l'augmenter jusqu'au niveau 200 ou quelque chose comme ça. J'ai prévu de faire ça avec Black Widow un petit peu plus tard, l'augmenter niveau 40. Et puis à partir de là réussir à l'amener niveau 94. Donc pour l'instant je peux la faire évoluer, mais je vais garder mes points pour Daredevil, parce que Daredevil aussi c'est un de mes personnages les plus puissants que j'ai augmenté. Il est niveau 143, mais si vous voyez je peux l'augmenter jusqu'au niveau 153. Pour ça il me faut au moins 2000 points pour le faire passer au niveau 144. On va attendre un petit peu, on va cumuler du bonus. Alors qui c'est que j'ai encore augmenté? On va regarder là. Alors Daredevil, mais là j'ai pas suffisamment de points, donc j'ai pas la petite flèche. Blade, hein, que je dois pouvoir augmenter niveau combien? Niveau 140. J'ai Steve Rogers, pareil, hein, il est déjà niveau 102, Steve Rogers, donc c'est mon deuxième Captain America. J'ai Iron Man, l'armure, c'est l'armure numéro combien? Je sais plus, comme je sais plus. Modèle 40. Hein. Modèle 40, niveau 100 du, oui. Qui j'ai encore augmenté Vision, Gavision. J'ai qui? Et je dois avoir Black Widow et Magneto. Hein, on va garder les Maximoff. J'ai gardé, d'habitude je prends pas de méchants. Mais donc là pour l'instant, mais comme j'ai de la place, mais j'ai la sorcière rouge et Quicksilver. Donc bah on a toute la famille Maximoff, donc je vais garder la famille Maximum, c'est des X-Men. Hop, Black Panther aussi que je dois pouvoir augmenter, que vous verrez dans Civil War. Bientôt au cinéma cet été normalement, ouais, on est au mois de février, on va avoir Suicide Squad, Deadpool, Batman contre Superman. Il y a... alors on est entre DC et Marvel, hein, bien sûr, toujours. Il y a quoi qui est sorti aussi récemment dont je voulais vous parler? Batman Bad Bloods. Ouais, qui passe bien, hein, qui est un film d'animation. Il va y avoir aussi un autre film d'animation DC qui va sortir. C'est GLA Action. Il me semble que c'est ça, donc avec Batman, Superman et Wonder Woman. Et voilà, beaucoup de choses de prévues. Donc, alors, nous, ce qu'on veut... c'est aller voir Galactus. Alors comme je vous disais, ah bah je sais pas si vous avez vu les 4 fantastiques, ça a été très 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 critiqué, et il y avait quoi critiquer les 4 fantastiques, mais c'est dommage parce que dedans il y avait des bonnes idées, c'est dommage que ce soit un bordel pas possible, et à la fin est très décevante, le personnage de Fatalis c'est assez décevant, mais il y avait des bonnes idées. Alors, combat de boss, et ben on va faire un combat de boss, il est niveau... ah, 250, hein. La dernière fois que j'ai joué, il était niveau 200, je lui mettais la fessée. On va voir si on peut lui mettre une fessée, bon, on va prendre les plus puissants, hein. Et ben voilà, Hulk, Daredevil et Punisher. Je sais pas si je garde Hulk. Je pourrais prendre Wolverine. Il pourrait être intéressant à prendre Wolverine. Quoi que ça devrait faire l'affaire. Avec sa frappe d'adamantium, il pourrait être pas mal. Bon, on va garder ça, on va garder cette équipe là. On va booster. Saucissonner, ça peut être intéressant. La salva basaltique, elle est intéressante. Prise de contrôle, non, on va prendre un boost. On va prendre un boost. Ma voix. Hop, dégâts critiques. Et puis bah c'est parti. Allez, hop. Alors, Galactus, vilain mangeur de planètes. Ce qui est bien avec lui, c'est qu'il va pas déplacer les cases. Alors, par contre il a des super pouvoirs qui sont super handicapants. Est-ce que je fais une ligne de 4? Ça pourrait être bien de faire une ligne de 4.
Ça pourrait être pas mal. Je pourrais bouger ça. Ah, il aurait fallu que je puisse faire tomber ces deux pions rouges ici. Ça aurait été pas mal. Maintenant j'étudie, hein. On essaye d'étudier un petit peu le board avant de jouer. Si je fais descendre ça, est-ce que je peux faire un cumul? Ça pourrait être pas mal. On va essayer ça. On va essayer ça. Bah, toujours une ligne de 4. Toujours une ligne de 4. Rejoindre le vert ici. Si je pouvais avoir un vert pas loin. Alors là on a du jaune. Ok. C'est pas grave. On cherche surtout à éliminer ces petites choses là. La 0, ça me revient dans la tête. Alors ce qui est bien avec eux, c'est quand il prend des dégâts, il pose des comptes à rebours sur le board. Pas pour l'instant, mais ça devrait pas tarder. Alors ça m'embête. On va faire une double ligne. Oh, je vais prendre cher. Je vais prendre cher. Tout ça m'embête. Alors voyez, détruisez les symboles cosmiques pour empêcher Galactus de les absorber et de générer des points d'action qui détruiront votre équipe. Ouais, ça peut être une idée pas trop mauvaise tout ça. Je peux jouer ça, ça ferait descendre le vert, il me reste deux coups. Donc celui-là va me péter la figure sans doute. On peut essayer. Ok, c'est un peu loin encore. Donc un coup c'est mort. Un coup c'est mort, le jaune va me péter la figure. Oh, c'est mal engagé, j'ai pas de vert à proximité. Bah écoutez, il va peut-être me poser un autre pion vert par là. Donc on va garder ce schéma. Donc, on va voir si on peut s'en sortir. Voilà, c'était prévu. Bon, on n'est pas si mal que ça finalement. Ça fait mal, monsieur. Hop. Ça fait mal monsieur, ligne de 4. Ligne de 4 ou ligne de 3? Il aurait fallu qu'on puisse faire descendre le jaune ici. Donc le piège c'est peut-être de faire une ligne de 4. On va faire une ligne de 3. Quoi que j'aurais dû. Monsieur, tu m'énerves. Monsieur Galactus, tu m'énerves, mais pour l'instant c'est moi qui gagne. On va lui mettre un coup de tonnerre, non, on va lui faire un jugement si on peut éliminer ses comptes à rebours ici. On va utiliser jugement. Et on tombe pas dessus. C'est dommage. On va lui faire un châtiment. Matraque déjà. Hop, ça c'est fait. Donc tu joues pas au prochain tour. Châtiment. Ah non, il est immunisé contre l'étourdissement. Ah le sacripant. C'est pas mignon Galactus. Par contre tu vas finir par faire mal. Vous voyez, Hulk qui n'est pas content. Rejugement obligatoire. Allez vas-y sur celui de 1, ce serait bien. Bah non forcément, sinon c'est pas drôle. Alors du jaune, pouvoir d'équipe. On pourrait tenter le pouvoir d'équipe. Là on peut faire un alignement vert. On va le faire. Parce que sinon ça va me péter la figure encore. 250 le niveau. Oh là, attends, c'est quoi? Saucissonné, mais il est immunisé. Il est immunisé contre tout ça. Alors si je fais tomber là ce pouvoir d'équipe, là ça me fait une ligne de 4, ça pourrait être intéressant. On va faire ça. Allez hop, du coup. Ouais, ça enchaîne pas mal. C'est ce qu'il fallait faire. Attention, garde vite, tu vas prendre cher. Ah, c'est dommage. Là si je fais descendre d'un cran, ça va pas m'arranger. Ici je peux pas le sauver. Je peux pas détruire ce pion là. Qu'est-ce que t'as? Cocktail Molotov. Oh oui, hein, allez hop, cocktail Molotov. Tant qu'à faire, autant faire bien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah c'est dommage. Il y a des alignements là. Tiens, si je peux supprimer déjà celui-ci. Hop, avec un alignement de 3. Est-ce qu'il faut s'en préoccuper? Daredevil, tu vas pas bien. Sans radar, oui. Ah mince, on peut pas éliminer ces trucs là. Bah attends, on va éliminer ça déjà. Oh, pas mal. Oh, il est méchant. Hein. Ouh, il est méchant le vilain. Oh, il est pas gentil le méchant. Oh que nenni. Alors le sans radar ne fonctionne pas. Ah
Aïe. Aïe. Ah ouais, niveau 200, je l'ai éliminé, niveau 250, j'ai du mal. Eh ben, on va choisir, je pense que Daredevil était pas approprié. Ah oui, et donc, disponible dans 7 heures. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ah, je me suis pris une fessée. Bon, bah écoutez, on va peut-être... tiens, Hulk rouge. Non, ça, il faut Nova, nouveau personnage. Iron Fist, je dois l'avoir. Donc, c'est des vagues de 89 à 127. Houhouhou, il y a deux vagues. C'est gérable. C'est gérable. 89 à 127. Allez, on tente. Deux vagues. Deux vagues, ça fait 8 adversaires. Punisher, on va te réanimer. Iron Fist, il est obligatoire. Et bah du coup, on va prendre. On va réanimer Daredevil. Par contre, on va réanimer Hulk aussi. Hop. Et on va prendre. On va prendre Wolverine. On va prendre Wolverine. Bon, on est bien. Et lui, quel niveau? 149. D'accord. Bon bah c'est parti. On aura du violet. On va garder, hop, ces pouvoirs-là. Bon, à moins gagner une partie. Alors elle, je l'aime pas, la fausse veuve noire là. Il aurait fallu pouvoir faire descendre tout ça. Ça aurait été pas mal. Si je joue ça, lui il va me faire une ligne de 4, voire une ligne de 5. Donc ça va pas m'intéresser. Ce qui m'intéresserait... Ah putain, c'est un piège ça. Ça c'est un piège ça. Ici ça c'est un piège. Donc faut surtout pas jouer ça. Faut jouer ce qu'il y a autour souvent. Mais j'ai pas trop le choix là. Non, je vais jouer ça. Je vais jouer ça ou je joue du noir? Parce que ça de toute façon je vais pas réussir à le faire descendre. Ça, je peux pas le faire descendre de 2. Ça aurait fait un alignement sympathique sinon. Ça aurait été pas mal. Ah là là. Et je peux jouer que ça? J'ai pas d'autres possibilités. Bon bah écoutez, si j'ai pas d'autres possibilités, quoi, je pourrais jouer du noir. On va jouer du violet. On va voir comment ils évoluent. Bah, forcément. Forcément, tu me gâches mon plaisir. Et Arrest est dangereux, mais t'es moins dangereux que elle. Parce qu'elle, elle va me piquer mes. Va me piquer mes taquets. Donc je ne suis pas d'accord. Du bleu, j'en ai pas besoin. Du violet, j'en ai besoin. Et vaut mieux que je prenne du violet, que ce soit la veuve noire qui les prenne. Voyez. Donc hop, on va jouer ça. Par contre, Arès va jouer du vert. Et ouais, mince. Mince, mince, mince. Bon bah écoutez, on va pas se laisser faire. Surtout que c'est la première vague. Ah oui, mais c'est vrai qu'il transforme ça en noir lui. Ah mais c'est bien. Ok, donc ça, si je joue ça, le noir, lui il va pouvoir faire une ligne de 4 en bleu. Mais le bleu lui sert à rien. Le bleu lui sert à rien. Moi je fais une double ligne et je l'empêche de jouer du vert. Donc ça peut être pas mal. Oh mince. Si c'est ça. Voilà. Le bleu lui sert à rien, mais il a quand même explosé d'autres jetons. Cocktail Molotov tout de suite. Tout de suite. Cocktail Molotov. Allez comme ça. On fait mal à toute l'équipe. Ah, je suis dégoûté d'avoir perdu contre Galactus. Du jaune, j'en ai besoin pour la régénération de Wolverine, donc quasiment pas besoin pour l'instant. Je vais favoriser le vert pour pas qu'il me fasse des attaques, parce que à 5, s'ils ont 5 en jeu, 5 jetons, on va appeler ça des jetons, 5 taquets ou 5 jetons verts, lui il va me faire une attaque et il fait très très mal en attaque. C'est combien lui? Ah, c'est tout ce qu'il fait. Oh, bah ça va. Normalement il m'a fait plus d'un millier de dégâts. C'est bizarre. Attendez, j'ai mal lu. Lui c'est pas en affligeant 282 points de dégâts à chacun. Son amour de la guerre motive l'ennemi lui accordant un point d'action vert. Point d'action. Pour chaque 2 consommés. Consommer S. Alors, c'est pas grave, on continue. Bah, c'est bien ça. Si je pouvais prendre du rouge, si je pouvais, oui, si je pouvais. Du rouge, ce serait pas mal. Hein, pour la frappe d'adamantium de Wolverine. Alors je vais essayer de pas utiliser mes pouvoirs tout de suite. Et surtout pas griffe sauvage, parce que c'est pas ce qui fait le plus de dégâts. Le bleu, j'en ai pas foncièrement besoin, donc je vais favoriser le pouvoir d'équipe.
Hop, il va faire une ligne de 4, il va détruire le cocktail Molotov. Ah, ça c'était pas prévu par contre. Alors, du rouge, si là je descends, bon, il va utiliser du vert, puis qu'il utilise du vert. Qu'il utilise du vert à la rigueur. Moi je prends du rouge, ma frappe d'aventure est plus précieuse en fait. Ah, il va faire 1400 vert. Voilà, c'est ça qui fait mal. 1410 points, vous voyez. Vous voyez. Oh, je dois faire jugement, c'est ça. Ouais. Attaque de chou. Attaque des crocs de chou qui va placer un symbole attaque, un symbole assaut. 346 points de dégâts. Et créer deux symboles assaut rouge d'une force de 66. D'accord. Ah, il a pas utilisé le vert. Mais c'est qu'il va utiliser le rouge. En jaune, ils ont 7. Ah ouais. Ah ouais, en jaune, ils ont 7. C'est un pouvoir de régénération pour moi. Ça pourrait être intéressant. Si vous pouvez jouer le bleu là, faire descendre les deux jaunes, ça me ferait une ligne de 4. On serait pas mal. Est-ce que je peux pas faire descendre ces deux là? Non. Ah, c'est dommage, ça s'embouche moins là. Le noir pour cocktail Molotov. J'ai du choix. C'est pas toujours bien d'avoir du choix. Plus on a de choix, plus on est indécis. Hop, 1, 2, 3 noirs, on est pas mal. Allez, Wolverine, t'as mal là-haut. Volvi, j'ai pas fait gaffe à ta vie. Mais ça va pas ça. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. On va te faire un jugement. On va te faire un jugement sur Venom. Et de toute façon, Venom, c'est pas le plus dangereux là. Sauf avec ses attaques plus voraces. Mais si je joue du noir, ça ira. En tout cas, il me paralyse pendant un tour. Alors, ici, il y a un truc à faire. Cocktail Molotov. J'ai peur que ça apparaisse sur un des rouges ici. Là, on peut faire un alignement. On peut en faire plusieurs. C'est que le rouge, c'est Wolverine. Il faudrait que je le garde. Il faudrait que je le garde pour le tour suivant. Pour les prochains adversaires. J'ai peur qu'il y passe. J'ai peur qu'il y passe. Ça, c'est encore Wolverine qui joue. Pourtant, j'ai besoin de jaune et j'ai besoin de violet, quoi. De jaune et de rouge. J'ai besoin de rouge. Bon, alors, on va faire une double ligne. Est-ce que tu survis? Est-ce que tu survis, Volby? Pour Fender. Fini. Terminé. Bon, j'ai pas pu utiliser la frappe d'Adamantium. Eh, ça se présente pas bien, là. Bon, ça, de toute façon, ça, je vais le jouer. Châtiment direct. Dans la tête d'Arès, j'aurais pu tirer sur Venom. Ok, donc son profondeur, ça c'est fait. Je vais faire une ligne de 4. Bon, on n'est pas trop mal. Il me reste deux adversaires. Il me reste deux adversaires, non. Il me reste plus qu'un. Quoique si, il y en a peut-être un. Non, si, non. Ah non, c'est des vagues de 3. Donc c'est 6 adversaires et pas... Et pas 8. Ça m'arrange à moitié, ça, quand même. Point d'acier, hop, on va faire ça. Allez, transforme-moi tout ça en noir. Parfait, parfait, très très bien ça. Oula, là aussi il y a un truc à faire. Alors attends. Ouais, si c'est bon. Ouais, double ligne de 3, ouais. Double ligne de 3. Allez hop. C'est parti. Ça c'était prévisible. Ce qu'on va faire nous, c'est que le noir ne sert plus à rien maintenant. Bah si, le noir nous sert toujours, puisqu'on a toujours le Punisher. Le rouge va me servir. Regardez, on va faire ça. Voilà, ça c'est pas mal. Ça, ça peut être bien. Ah, les deux sont bien là. Si je déplace ça. Ouais, bah oui, ça marche. Allez hop. Ciao, ciao, bye bye. Donc voilà, là il va me falloir ma salve basaltique tout de suite. Mais alors tout de suite, c'est combien qui est fait en dégâts? 2798. Lui, il est pénible. Lui, il est pénible parce qu'il met des symboles protection sur le board et ça m'avantage pas. Book Ace, hein, qui copie le costume de Hawkeyes. Alors, du vert, du rouge, du vert et du rouge. Mon cocktail Molotov, il me sert quand même. Mais ça me permet d'avoir deux alignements. Vert et rouge, donc
donc on va prendre ça. Doucet est paralysé, donc c'est très bien, ligne de 4, c'était ce qu'il fallait jouer, super, en voilà un. Il était paralysé pendant 4 tours, mais bon. Maintenant, ah oui, bah voilà, Ragnarok, bah si, en fait, il y en avait 8. Qui c'est qui redonne de la vie à Ragnarok? Ça doit être Monsieur Daken. Oh, le fils biologique de Wolverine. Je sais plus qui c'est sa maman. C'est lui qui a buté, qui a tué le Punisher d'ailleurs, Daken. Et ensuite, il y a une série Punisher Frankenstein recollée avec des morceaux qui est apparue. Puis ensuite, il a été ressuscité, hein, vous savez là. La mort chez les super-héros, elle est relative. Et hop. Alors ça, c'est bon. Et on a ressuscité Captain America cette année dans les comics. Il y a une nouvelle série qui doit s'appeler Steve Rogers. Captain America, et donc il est avec Sam Wilson, le Faucon, qui a pris justement le rôle de Captain America. Donc il y a deux Captain America maintenant dans les comics en 2016. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Du jaune? Non, ça m'intéresse pas du jaune, hein, on est d'accord. On va prendre soit du rouge, soit du noir, soit du vert, soit du violet. Hop. Et donc, elle, on lui casse ça, quoi. Ouais, superbe. Hop, coup supplémentaire, coup critique. On est bien. Surtout, j'avais pris un boost par rapport à ça. On va lui faire châtiment tout de suite. Et hop. On devrait s'en sortir, hein. Normalement, là, c'est gagné. Est-ce que je pourrais faire descendre ce pion-là? Non, c'est dommage. Est-ce que je peux faire descendre ces deux ici? Non plus, je peux en faire descendre un là. Ce qu'il y a, c'est que ça va faire un bazar pas possible. Donc plutôt éviter ça. J'ai pas envie de jouer du jaune. Mais je vais jouer du jaune. Ah bah non, remarquez du vert. Puisque ça augmente les dégâts. Hein, quand il y a un petit éclair comme ça sur un vol. On va jouer ça. Bon, il va jouer sans doute un jaune. On va lui faire un jugement. Vas-y, balance tes pouvoirs là, Michel. C'est un jugement, ça va tout casser. Si ça peut faire quelques alignements, c'est pas mal. Ah, je me suis pris une fessée. Ça devrait coller. Non, ça descend un cran trop bas. Donc c'est lui qui va faire un alignement de 5. Donc ça m'intéresse pas. Donc on va bloquer ses ardeurs. Par contre, il va faire ça. C'est pas grave, ça c'est mal joué. Oh non, il joue du bleu lui. Il joue du bleu. Ah, Rex. Attends, Ragnarok. Ragnarok, hein, qui sera le futur Thor. Le futur film Thor. Qui est prévu pour 2017, il me semble. Il me semble. Alors, ça c'est pas mal. On pourrait l'empêcher de jouer du vert. Voilà. Super, j'ai même pas vu regarder sa vie. Bon, là on est pas mal. Là on est pas mal. Bon, on va gagner Black Widow encore, mais pour l'instant, elle est à fond. Ah bah voilà, récupérer une récompense, qu'est-ce que j'ai gagné? Eh ben, un jeton héroïque, super, bon, on va aller voir ça. Ah bah si, je peux réattaquer, on va se venger. Alors attendez, je regarde ce que j'ai gagné au niveau des jetons. Alors qu'est-ce qu'on a Hop, tiens, il y a un truc que je vous ai pas montré peut-être aussi vis-à-vis des... Eh ben hop, une Maximoff. Très bien, la sorcière rouge. Ça va être un jeton basique, je pense. Juggernaut, j'en veux pas. La Maximoff. Hop, 3 de près. Entraîner, oui, bah oui. Hop, donc je vous montrerai plus tard. Hop, le père Maximoff. On va l'entraîner, on l'augmentera plus tard. Juggernaut, on va le vendre, ça va faire des cristaux supplémentaires. Et on y retourne, on va aller. Vengeance, Galactus. Vengeance de Galactus. On va essayer de jouer mieux que ce qu'on a joué. On va éviter. Ah, 204 quand même Daredevil. Hein. Il fait mal. Il fait quand même 204 Daredevil. Ce qu'il y a, c'est que ses pouvoirs, ils servent à rien. Que ce soit sa matraque ou son sens radar, ça sert à rien. On te soigne. On va reprendre Hulk. Et on va réanimer Wolverine. Comme ça, c'est le Punisher qui va encaisser les coups. Et Wolverine, s'il peut faire sa frappe d'adamantium, on est bon. Luke Cage aussi. Luke Cage fait très très mal. Et bon, contre un niveau 250, ça risque d'être un petit peu délicat. Là, c'est gérable, hein.
Par contre, j'ai plus ma salve basaltique. Saucissonné ne sert à rien. Sens radar ne sert à rien. Infiltration mortelle, niveau 40. Ça sert pas à grand chose. Il me manque des pouvoirs d'équipe. Hein. Il me manque clairement des pouvoirs d'équipe. Hein. On va essayer de faire 100. Dans la réserve, non. On va plutôt augmenter les dégâts au niveau des boosts. On va augmenter les dégâts. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Allez, on essaye. On essaye. Alors, du violet, on a dit qu'on n'en voulait pas. On sait qu'il fait des alignements noirs. Bah, de toute façon, il fait des alignements de tout. On va essayer de favoriser le rouge, le vert. Et le pouvoir d'équipe, on s'en fout parce qu'on n'en a pas. Est-ce qu'on peut faire cette descente, ces deux-là? Non. Là, moi, c'est le rouge qui m'intéresse. Vraiment, vraiment, vraiment le rouge qui m'intéresse. Alors, attention, c'est parti. Du bleu. Faire descendre ce bleu-là. Bah, pas comme ça parce que sinon, ça va les supprimer. Ou alors apporter du bleu. Réussir à faire descendre du bleu à ce niveau-là. Que ce serait bien. On va essayer ça. Aïe 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 aïe. Donc celui-là il me pète à la figure. Il me pète à la figure, donc on va essayer de sauver. Hop ça. Ah, ça va pas être facile. Hein. Ça va pas être facile. C'est bien Hulk, tu t'énerves. Déjà on va supprimer ça. Attendez parce qu'il y a le 2 qui est ici. Le 2 qui est ici. Donc si je fais descendre celui-là, je vais avoir du bleu là. Ouais si c'est bon. Le rouge me pète au nez. C'est jamais très agréable. J'ai un coup supplémentaire ici. Mais mince, c'est celui qui l'a fait. Ah, oh, il m'énerve. Le noir me pète au nez. Il y a moyen. Hop. Là c'est deux. Qu'est-ce qui fait le plus mal? Ah, c'est chaud. On va faire ça déjà dans un premier temps. Celle-ci va me péter au nez parce que je peux plus le jouer. Celui-là à 3. Si ça c'est possible, celui-là est à 1. Supprime pas la ligne. Le jaune fait très mal. On va supprimer le jaune. Enfin, on va supprimer le violet. Voilà, là, on est bien. On va pouvoir commencer à faire des trucs. Alors, coup de tonnerre. Il me semble que ça casse des... Ouais, ça fait 1004 points de dégâts. La cible détruit 5 symboles verts. On va faire ça. On casse des briques avec ça. Il casse des briques avec ça, ouais, bah voilà, c'est ça qu'il faut faire. Voilà. Là, on est mieux engagé qu'on ne l'était tout à l'heure. Jugement, pas encore. Hein, je vais en profiter de le faire, ou de toute façon, ça ou coup de tonnerre. Cocktail Molotov, je peux le faire maintenant, sans aucun problème. Wolverine est toujours dans la partie. Il a pas subi de dégâts comme prévu. Ça, j'ai pas confiance ici. Ici, j'ai pas confiance. Le jaune, il va me faire un truc avec le jaune. Il va me faire un truc avec le jaune. C'est pas grave, on tente. On va faire une double ligne. Ah là, c'est plus stratégique, hein, contre des adversaires puissants comme ça, c'est plus stratégique, faut faire gaffe. Alors... J'ai deux violets, jugement, direct. Ah, j'aurais dû faire la 4. Ça aurait été mieux. Du rouge. Oui, du rouge. On rapproche les bleus. On va supprimer le 3 ici, châtiment. Non, pas tout de suite le châtiment. On a dit qu'on voulait faire une frappe d'adamantium. On a une de 4. Donc là, j'ai deux symboles qui me pètent au nez. Ça, je le supprime pas. Là, j'ai un coup supplémentaire. Là j'ai un coup supplémentaire, pas mal. Ouais, le vert, hop, on le supprime 2. Oh, il est descendu à 9 000, je crois.
Normalement, on devrait pouvoir l'avoir. J'ai encore un coup supplémentaire ici. Ah, si j'avais pu glisser là... Mais attendez. Regardez. Hop, ça c'est bon ça. Oui, 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 oui. Par contre... Le vert encore. On va lui faire un châtiment. Non, 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 frappe d'adamantium. Ah, c'est pas encore dispo. Il faudrait du rouge. Du rouge, c'est combien la frappe? C'est 12. Il me faut... Ah bah écoutez, on va sacrifier ça. Voilà, le cocktail Molotov. Et normalement, au prochain coup, je devrais lui faire mal. Là, on va lui faire mal. C'est bon. Là, on va lui faire très très mal. Ça va être bien. Ok, j'ai une de 4. Frappe d'adamantium. Je prends combien? 4000 points. Voilà. Donc je pense que là on est pas mal, on va lui faire un coup de tonnerre. Et on devrait pas tarder à le finir. Oh, ligne de 5. Ligne de 5. Et qu'est-ce qu'on a? Griffe sauvage. C'est fini pour toi, mec. Biche biche. Biche biche. Combat contre Galactus. C'est gagné, puis on a la Black Widow, mais je l'ai déjà. À moins de la promouvoir. Bah, superbe. Superbe. Voilà, voilà, voilà. Donc Nova, j'ai pas Nova. Ouais, on aurait combattu le Hulk rouge. Alors Hulk rouge, pour la petite information, si vous suivez un petit peu les aventures de Hulk, vous savez que le père de sa petite amie, la Betty, c'est Betty, Betsy, Betty, Betty. Et il est général et puis il commande les forces armées qui sont censées trouver Hulk, Bruce Banner et l'éradiquer ou le capturer, etc. Et en fait, il y a quoi? Il y a 2 ou 3 ans de ça, sinon plus, il a réussi à trouver un sérum avec le sang de Hulk, et il a fait un mélange et il est devenu le Hulk rouge. Et a aussi le pouvoir de s'enflammer. Voilà. Ça c'est un peu nul, mais bon voilà, ça fait partie de l'univers, hein, c'est une nouvelle génération. Donc est-ce qu'on en fait une autre? Deux vagues, 98. Oh, bon, on devrait les mettre minables. Donc là, bah là, ah, je suis obligé de prendre OK. Ah oui, j'ai fini par prendre OK. Hein. J'ai fini par prendre OK. Il est niveau 86, normalement, là, pour cette partie-là, il est niveau 137. Et normalement, il y a moyen... Punisher, vas-y, je te soigne. Bon, on va faire ça. Bon, on va les mettre minables. Allez, on va les mettre minables. Minables cartables. Et donc, eux, ils peuvent pas bouger, eux. Eux, ça veut rien faire. Ce serait bien... si on pouvait faire un coup supplémentaire ici. Mais j'y crois pas trop. On va descendre là. Il faudrait que j'arrive. De toute façon, maintenant c'est foutu. On va pas pouvoir faire un coup critique. On va pas pouvoir faire un coup critique. On va rapprocher les bleus. Voilà, les jaunes et rouges. Et on va faire ça. Voilà. Donc là, le vert, on va pas lui laisser sa chance. Attends, est-ce qu'on peut péter les deux en même temps? Voilà, bah oui, si, c'est possible. Ah bah forcément. Forcément. Sinon, c'est pas drôle. Hop, on va faire ça. Est-ce que j'ai besoin de jaune? J'ai un coup supplémentaire ici. Est-ce que j'ai besoin de jaune? Non, j'ai pas besoin de jaune. Là, je voulais jaune depuis tout à l'heure, mais j'ai pas Luke Cage. Donc, un coup supplémentaire, déjà ici pour commencer. Ça, c'est à moi, donc je le garde. On va supprimer ça. Voilà, et il reste celui à 2 ici. Ben rien, il peut faire ça. Ça va me faire un coup supplémentaire. Oui, oui, c'est beau ça, c'est beau. Comme prévu. Oh Loki, je te déteste Loki. Oh t'es pénible, tiens prends ça Loki. Hop, ça c'est le cadeau. Cocktail Molotov, bah oui pour tout le monde. Allez hop, bon il est paralysé pendant 2 tours. Encore 2 tours. 3 tours, allez hop. C'est parti, on a dit... Alors ça, c'est les méchants, ça. Du noir, du noir, du noir. Noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. Allez, hop.
Donc ça ici, il faudrait que j'arrive à en faire descendre d'autres. Ah bah t'es mort. C'est Loki qui a posé des pièges. Sacré Loki quoi. Il faudrait que j'arrive à descendre ça. Je sens que c'est mal barré. Bon, on va jouer les jaunes déjà. Ici c'est bon. Et bah voilà. Et bah voilà, parfait. Parfait. Alors Loki. Loki, on va te faire une double ligne. Là on est pas mal. Ok, bon bah écoute, supprime tes propres comptes à rebours, hein, y a pas de problème. Je vais te mettre une nappe, Loki. Hein, comme dans Avenger 2, je vais prendre par les pieds, pam pam pam. Gauche droite. Bâtiment, mais t'es mort, ça y est, t'es mort. Hop, regarde, salut. Bye. Hop, j'avais un coup supplémentaire derrière. Hop. Ah mais oui, c'est vrai qu'il y a une autre vague. J'avais oublié. Pourquoi oublier? Oublier déjà. C'était quoi ça? Alors, ici, on a un coup supplémentaire. De toute façon, ils peuvent pas jouer. Alors ça c'est bon. Sinon, matraque, tout ça, cocktail molotov. Ah, je commence à bien connaître les pouvoirs. C'est bientôt un an et demi que je vois le jeu. On est pas mal, donc ça va me péter au nez. Je pourrais faire un alignement ici, mais ça m'intéresse pas. Si je pouvais avoir du vert qui descend ici, ce serait pas mal. On va pas favoriser le pouvoir d'équipe. On va rapprocher les jaunes déjà. Et on va faire un alignement avec le coup critique. Oh bah y a personne qui déplace les cases. Ouais, superbe. Ça va être facile. Allez hop, c'est la rigolade là. C'est la rigolade. La rigolade, tu rigoles, tu t'amuses. La muse roll, tu t'amuses, tu rigoles. Alors, pouvoir d'équipe, on s'en fout. On va jouer du noir. Allez hop, histoire de faire. Hop, bah regardez. Parfait. Parfait, coup supplémentaire, dégâts critiques. Hop, on va jouer en T. Hop. Comme la maison. Jugement. Remarquez, j'ai du cocktail molotov là. Lui a me pété au nez, mais on s'en fiche. De toute façon, on encaisse, on est plus fort. J'aurais pu utiliser mon pouvoir, mais non, pas encore. Je pense qu'on va gagner facile. Hein, vu la jauge de vie qui me reste, on est à l'aise. Et puis on va garder ça pour la menace future. S'il y en a une. Et de 1, ça on va le faire descendre. Ça par contre si ça pète, ça fait péter les deux autres. Ça va faire péter les deux autres. Ah c'est dommage. J'aurais pu les supprimer ces deux-là. Et tiens. Oh ben non. Jugement, j'aurais dû faire ça. Ah, précipitation, quoique. Hop, ça marchait pareil. Superbe. Donc là j'ai quoi, Matraque? T'en as pas un autre adversaire qui arrive là? Matraque, on l'empêche de jouer, mais à quoi bon? À quoi bon l'empêcher de jouer? Il va mourir. Hop. Bon ça me fait étonner, mais bon c'est pas grave. On va faire un alignement ici si c'est possible. Voilà, double alignement, double ligne, pouvoir de l'équipe et point d'action noir. Et ben voilà, superbe. Et bah victoire. Ouais, on est bien Tintin, on est bien. J'adore ce jeu. Hop, une petite partie tous les jours, tous les soirs vers 19h. Parfait. Hop, et puis à chaque fois qu'on joue, on gagne. On a toujours quelque chose à gagner, à chaque fois qu'on remporte une victoire en tout cas. Et ben roi attaque de Galactus. Non, on va arrêter là quand même parce que ça doit bien faire 20 minutes qu'on joue. Et puis moi je suis capable de rester une heure, deux heures hein, dessus là quand je suis parti pour enregistrer en tout cas. Bref, on va pas faire une vidéo trop longue. Hein. Moi je vous invite toujours à télécharger ce jeu là. Je vais vous remettre le lien dans le descriptif de cette vidéo, sinon vous le trouvez sur Steam. Hein. C'est un jeu gratuit quand même, Marvel Puzzle Quest. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt dans votre futur. Allez, ciao. Bye.